Salut tout le monde, c'est Vano, comment allez-vous? Moi ça va super, comme vous voyez j'ai KOT Black Ops 2 Hardened Edition, donc l'édition Hardened qui coûtait 10 € plus cher pour avoir des DLC en plus, donc moi je prends tout, je prends et je suis heureux. Donc je vous propose de vous faire un petit unboxing et après on passera sur du gameplay multijoueur, du gameplay zombie et ce sera ma vidéo spéciale du mardi, ça remplacera le Assassin's Creed 3, mais pour une bonne cause, c'est-à-dire pour vous montrer du gameplay de Call of Duty Black Ops 2. On commence tout de suite le déballage. Donc j'ai déjà commencé un peu à couper un peu ici pour que ce soit plus facile au déballage. Mais vous inquiétez pas, de toute façon la boîte n'a même pas été ouverte. À une main, ça a un peu galère. Donc reçu à Micromania pour environ allez, 18 h. Ouais, 18 h, donc j'ai eu le temps d'y jouer, enfin j'ai pas le temps d'y jouer, mais j'attendais là, et au moment où j'enregistre cette vidéo, il est 20 h 35, mes parents m'ont interdit de jouer à Black Ops pendant. Ils m'ont dit non, t'attends qu'on ait fini de manger. Voilà. Donc je me suis un peu dépêché, hein, je vous cache pas. Parce que j'ai un peu quand même envie d'y jouer, de toute façon je tiens à le dire, hein, si ce Black Ops 2 est aussi nul que Modern Warfare 3, et ben ce sera sûrement mon dernier Black Ops. Dernier Call of, tout simplement. Hop, merde. Alors, petite coupure, excusez-moi, j'ai appuyé sur le bouton de mon téléphone. Hop, voilà, excusez-moi. Donc là, mon PC bureau, hein, tant pis. Un bureau Windows 7 sur un Mac. Ok. J'essaie de me mettre plus à la lumière. Donc, il y a des maps, le multijoueur, une steelbook. De toute façon, je vais vous montrer les codes parce qu'ils seront même pas utilisés. Moi, je propose qu'on se mette à un endroit plat. Donc, ça y est, on est sur mon lit. Donc, j'ai essayé de le déballer. Hop, c'est un truc, un truc en papier. Un peu comme sur la boîte de. Comment dire, le même style que la boîte de. Hardened de. Comment ça s'appelle Modern Warfare 3. Donc, alors, je vais juste bouger l'iPad. Hop. Et voilà. Alors, quand on ouvre, c'est. Comme ça. Et. Oh, bien! Donc, il y a le CD du jeu. La boîte du jeu Black Ops en édition Hardened. Très belle. Call of Duty Black Ops 2. Rien à dire. Très très belle. On a un livre. Mais qui ne veut pas se détacher. Donc, maintenant, on a une sorte de boîte avec des médailles, donc je vais l'ouvrir devant vous. Ouais, c'est un peu je galère. Donc voilà, c'est des petites médailles bien sympas que je vais remettre dans l'emballage parce que j'ai envie qu'elles soient belles. Je vais faire ça hors vidéo. Alors il y a marqué quoi d'autre? Le truc, et après c'est que des DLC, donc des DLC, steelbook, oh, c'est déjà pas mal. Donc là-dedans, on a la notice du jeu. Donc, ils nous mettent. Alors, carte bonus Nuketown Zombie, carte bonus Nuketown 2025, thème multijoueur pour le système PlayStation 3, des thèmes exclusifs, on en a quoi? Bande son officielle Call of Duty Black Ops 2, une version numérique de la bande originale de Epic, le. Thème, ok. Deux arrière-plans pour votre carte agent, camouflage d'armes. Steelbook, le double face collector. Contenu à débloquer. Ok, faut aller sur le contenu, faut aller sur internet pour avoir les codes. Et puis là, de toute façon, vous voyez le code, hein, RN34 FK N8 9JE7. De toute façon, vous pouvez courir parce que le code, au moment où la vidéo sera mise, le code sera déjà activé, donc vous pouvez essayer, mais le code sera déjà mis en ligne. Voilà, hop, tant pis pour vous. Petite personne qui va essayer de m'avoir. Le jeu, comment, les médailles et tous les DLC en fait. Il y a beaucoup de DLC, j'aime, donc c'est pas mal. La boîte aussi très belle. Et ben moi je propose qu'on se retrouve sur le jeu de Black Ops 2. Et à tout de suite.
Jason a renoncé à tout ce qu'il avait. Il m'a abandonné. Pour défendre son pays contre des types de votre genre. Je l'ai détesté pour ça. Et maintenant, je suis là. Avec vous. Nous sommes très semblables, David. Façonnés par nos pertes. I throw this to the wind. Oh, what if I was right? Well, did you trust your noble dreams and gentle expectations to the mercy of the Salut tout le monde, c'est tout le monde, c'est Banano, bienvenue sur, j'ai envie de vous dire, le menu de Black Ops 2. Donc je voulais laisser la petite cinématique d'intro bien sympa. La cinématique était vraiment très cool. Alors, je propose qu'on passe directement au multi. Oula, qu'est-ce que c'est? Comme quoi voilà, c'est bienvenue dans Chaotic Black Ops 2. Veuillez configurer votre système pour une expérience de jeu optimale. Vous pouvez modifier ces paramètres via le menu options. Ok. Alors, luminosité. Voilà, ça va être bien comme ça. Et puis, malentendant. Pour rendre les voix plus audibles. Il y a un fichier audio pour tester la configuration. Ouais, c'est bien. On va mettre quoi? On va mettre... Je vais mettre ici et un peu plus comme ça. Voilà. Donc, ça se compare comme ça, zombie, campagne et multijoueur. Et bien, on va passer, on va mettre par défaut le multijoueur, et on va aller directement dans le multijoueur, parce que c'est ça qui vous intéresse. La campagne, bof, quoi. Ouais. Je pense que j'en préfère... préfère le multi à la campagne, ça paraît normal. Temps de chargement, on va voir s'ils sont longs. Ouais, voilà. Ma joue en ligne. Connexion serveur. Est-ce qu'ils sont verts? J'espère que oui. Donc j'ai activé mes maps de DLC. Donc voilà, tout c'est bon, c'est fait. Bienvenue au multijoueur. Black Ops s'adresse à tous les joueurs. Nouvelle recrue, on s'occupe de tout. Découvrez les sélections, formations avancées en partie publique où vous jouerez avec d'autres joueurs, mais aussi avec des joueurs contrôlés par l'IA. C'est idéal pour vous faire la main. Vous pourrez même monter en grade et commencer à débloquer des armes et de l'équipement. Quelles que soient leurs compétences, les joueurs pourront aussi essayer le jeu en ligne et jouer avec des joueurs de leur niveau,
Que vous soyez débutant ou pro, tentez le jeu en ligne et visez la première place du classement de votre niveau de compétence. Ah voilà, maintenant ça reste par niveau. Call of Duty Elite. En tant que membre fondateur de Call of Duty Elite, un grand fan du jeu, les éléments suivants seront débloqués pour vous dans Call of Duty Black Ops 2. Exclusivité Call of Duty Elite, camouflage d'armes, carte de visite, emblème, carte de visite du fondateur, emblème du fondateur. Consultez. Ok. Donc, le multijoueur, ça se présente comme ça. Code TV, caserne, qu'est-ce que c'est? Éditeur d'emblème, carte de visite. Ok. Jouer en ligne pour gagner de l'XP et des récompenses. On va faire ça. Il y a déjà 116 632 personnes en ligne. Donc ça rend pas mal. Hein. On va faire simple. Et en match à mort par équipe, tiens, on va commencer. En tout cas, la musique est vraiment pas mal. Hein, ce qui est mis dans. Qui est mis. Elle est vraiment pas mal faite. Voilà, donc on arrive, c'est ma première partie, attention. Turbine. Ok, donc Turbine, c'est la map, je crois, qui était présentée. Comment dire? Qui était présentée à la démo, je crois, une démo. Non, c'était pas la démo, je sais même plus, alors qu'est-ce que je raconte? Classe perso. On va prendre quoi? On va prendre un. Allez, agent. Donc, je tiens à dire, ça fait longtemps que je n'ai pas touché à un code. MW3, j'avais laissé tomber malheureusement maintenant depuis 5 mois. Première partie sur Code Black Ops 2. Ah, bah. Ok, c'est rond, ok, ça change pas. C'est quand même. Ah, alors là, il y a un mec qui s'est fait tuer. Ok, on peut de nouveau plonger. Hop, donc normalement, je pense qu'on a tous environ même les mêmes armes parce que le jeu, bon, bah. Malgré. Voilà. Oh, il y a déjà des rageurs. J'y crois pas. C'est parce que je fais un kill. Mais je suis heureux de faire un kill, attendez. Et oh, sur Black Ops 2, oula. En tout cas, les niveaux design, tout ça, c'est bien fait. La musique dans les menus, super, j'adore. Ça, c'est un peu. Ça change un peu, hein, mais bon. Après, faut aimer le changement. Ok, ils sont par là. On peut se mettre accroupi ici. Oh, les gens qui se plaignent parce que la map est. Ah, merde, dommage pour moi. Donc, oui, je suis pas un pro, et justement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans mon planning que j'ai mis sur ma chaîne, il y a un onglet surprise et l'onglet surprise, justement ça, c'est un newbie sur Black Ops 2. Donc ça veut dire que deux, je crois que c'est 2-3 fois par semaine, je sais plus, je mettrai des gameplays de Black Ops 2 d'environ allez, entre 20 et 30 minutes chaque jour de gameplay. Et mon but ce sera de m'améliorer sur Black Ops 2. Voilà. Les gens qui se plaignent que la map est trop grande. N'importe quoi. Oh, tu trouves personne. Oh là là, mais tout. Eh, ils m'énervent là, les gens. Qui se plaignent direct alors. Que le jeu, ça fait à peine quelques heures qu'il est sorti. Les gens se plaignent déjà, quoi. Alors qu'est-ce que ça va être au bout d'un mois, quoi? Ah, dommage, dommage. Allez, faut que j'essaie de bien jouer. Je sais que Maxence, ça fait longtemps qu'il n'a pas touché, à une manette sur une manette pour jouer à un Call of. Ben c'est pas grave, tu débrouilles, tu dois sortir du score, tu dois tuer du personne, tu dois bouger, tu dois pas camper. Hein? Ok, bref. S'ils volent. Donc après on ira sur le zombie, bien sûr, ça je vous le dis. Quel pour noobie que je passe, que je me fais tuer. Ouais, les gens qui commencent vraiment à. Hop, hop, hop.
Hop, moi je mets ça en muet, je déteste les gens qui parlent pour rien dire, qui disent que le jeu est pourri. Oh là là. Hop, muet. Non, celui-là. C'est quoi sa chaîne du joueur? Ah, on peut maximum une des chaînes. Très bien qu'il s'allie à YouTube. Alors, Raid ou Turbine? Bah, Turbine. J'aime bien. J'ai envie d'en faire un peu plus parce que je suis arrivé en milieu de partie. Et j'ai envie de jouer un peu plus. Ah. Je suis comme ça. Sur Raid, un match par équipe. Ok. C'est sympa. Hollywood is USA MME. Sur Raid. Ok, on va essayer cette map. Par contre, l'arme que j'ai pris, je ne l'aime pas trop. Je pense que je vais prendre une autre. Parce que là, le viseur, il saute trop et. Et bof quoi, on va se rendre allez, mercenaires. Mais apparemment aussi, d'après Diablo X9, apparemment cette fois il y a du recul sur les armes. Alors maintenant, s'il y a du recul sur les armes, et c'est bueno quoi, on peut rien demander de plus. Allez, éliminer les joueurs ennemis, c'est le but du MME. Ouf, par contre. Ouf. J'étais promu, cool. Donc ouais, si vous attendez à des gameplays incroyables sur Black Ops 2, c'est pas sur ma chaîne que vous trouverez ça malheureusement. Moi, ce sera juste pour essayer de m'améliorer, ce sera ça quoi. Si vous attendez du gameplay gros comme des gros gameplays bien sympas, vous allez sur Code QG. Diablo X9, il joue vraiment pas mal, il joue vraiment très bien. Il y a d'autres youtubeurs qui jouent aussi bien que ça. Donc moi, c'est Call of, c'est pour l'amusement. Et l'envie. Ah non! Putain, je me rappelle des réflexes de Battlefield. Ah. Je suis à combien là? 2-2. Ok. Faut pas que je descende du ratio de 1. Ah mais. What? Alors, est-ce que je me souviens pas. Est-ce qu'il y a le soutien sur sur ce map de. Sur ce Call of, parce que moi le soutien je trouve ça complètement débile, nul à chier, qui rendait le jeu trop facile. Si on achète un jeu, c'est pour pouvoir un peu galérer dessus, parce que sinon, on voyait des enfants de 10 ans qui arrivaient. Voilà. Toi je l'ai vu, hein. Ah ah. Croyez quoi que je vais pas le voir? Ah, dommage. Ils étaient deux. J'aurais pu essayer de me baisser et essayer de bien jouer, mais. De toute façon, je suis bête. Ah, mais ouais, putain. Sur un. Ah, attends, c'était. Ah, maintenant, en start, on peut voir notre progression niveau level. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Tire dans la tête. Oh, bien! Mes premières parties sur Black Ops 2. Donc là, c'est vraiment la. Je considère vraiment cette partie. Vraiment la première partie. Parce que la partie. Je suis arrivé. Ouf. Je suis arrivé en plein milieu de partie. Donc c'est. Hop. Je suis arrivé en plein milieu de partie. Donc je voyais pas ce qu'il y avait d'intéressant. Ah, dommage. Ah, ils étaient 3 contre moi. De toute façon, j'étais obligé de mourir. Mais bon. J'ai passé par là. Ah. Moi je trouve ça pas mal ce. Je trouve vraiment pas mal ce Black Ops 2. Franchement, pour moi qui ai pas mis les mains sur un Call of depuis vraiment très très longtemps, bah ça. Depuis 5 mois, je pense que. Bah ça va quoi. Enfin, quoique aussi j'avais joué à Modern Warfare 1, Modern Warfare. Dans la tour. J'ai même plus l'ordre. Ah, dommage. Assistance? Ok. Je fais quoi du 6? Oh, 6-8, pas bien, pas bien, pas bien, Balano, pas bien.
Allez Max, tu te ressaisis, hein, il faut faire. Faut proposer des bons gameplays, mes petits abonnés bien sympas, ils sont mignons. Je les aime bien. Ouh, alors. Oh! Ce serait bien qu'ils mettent un principe de défibrillateur comme dans Battlefield 3. Ça pourrait être sympa. Ou non, qu'est-ce que je dis? On est sur un Call of, on n'est pas sur du. Eh hey, là. Ouais, peut-être qu'il faudrait que après avec la personne ici, je mette visée rapide. Parce que là, je n'aime pas trop cette visée. Hein? Il avait quoi? Ah, il avait une sorte de. Je sais pas ce que c'est cet atout, mais en tout cas il a l'air bien joué parce qu'il a réussi à débloquer il a réussi à débloquer un. Je sais plus comment. Oh putain, ouais. Je sens qu'ils vont venir par là. Ok. Non! Merde. Je proposais de bon gameplay, moi. Oh. De toute façon, ça va être clair. De toute façon, c'est. Je veux arriver de toute façon un jour à faire une partie avec deux de ratio. Voilà. Oh là là, oh, ce serait bien que. Où est-ce qu'ils peuvent être? On va aller vers les têtes de mort. C'est par là où sont les ennemis. Enfin, logiquement, oui. À part s'ils tirent vraiment très loin. Allez. Où on est? Le retour de Banano. Retour de Banano sur Call of. Ouh, je crois que je m'en suis bien sorti là. Très content. Type 25. On va prendre cette arme. Oh. On va mettre un drone pour mes coéquipiers. Parce que sinon, c'est très dur de jouer. Ouf. Assistance avec. Oh, bien, je me trouve que je me débrouille pas mal. Ah, dommage. J'aurais dû viser un peu plus haut. Ouais, donc les gens qui disent qu'il y a des armes cheatées, oh, c'est bon quoi. Il y a. C'est un Call of, il a des défauts. Il a pas que des qualités. Il peut avoir une arme cheatée dans le jeu. Si vous voulez pas jouer avec les armes cheatées, vous jouez pas avec, et puis c'est tout, vous payez pas si les gens ils ont payé leur jeu 79, enfin moi 60, 80 euros, et avec 80 euros on a envie de jouer avec nos armes qu'on a envie de jouer. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur les armes cheatées. Je vais reprendre la type 25 parce que je trouve que. Ah ouais, attendez, c'est vrai que j'ai pas vu la sensibilité. Ah oui, voilà. Ah, voilà, c'est plus facile pour se retourner déjà. Parce que c'est vrai que la sensibilité était vraiment très lente, mais bon. Ça n'en dit plus rien. Combien? 11. 16? C'est une blague! Oh non! Sérieusement, j'ai pas envie de proposer ça, quoi. Alors ça me fait vraiment très peur. Où est-ce qu'ils sont? Là il y avait quoi? Une type 25? Voilà. On va essayer ça. Ah merde, dis ça. Voilà. Tiens, dans la tête, cool. Hop, là. On va essayer de bien jouer quand même. C'est un peu le but du Call of. Je pense que pour un retour sur Call of, je me dévoue vraiment pas mal parce que sur MW3, c'était limite, j'y arrivais même pas à cause des trucs de soutien. Enfin, c'était what the f... C'était total what the fuck. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ouf. On va mettre un drone. En tout cas, je pense que j'ai eu la chance ici. Le mec devait bien un peu rager. Parce que je l'ai tué alors qu'il m'avait il m'avait tiré quelques balles en premier. Ah, je suis pas sur Battlefield, c'est vrai. Oh, la chance que j'ai eue. J'ai fait du 15-16. Pas mal, franchement.
pour franchement un premier hein, pour une premier game pour mes premiers gameplay hein, c'est vraiment pas mal. Ah dommage. Princesse, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. On a combien de minutes de vidéo là? Parce que moi j'ai regardé. Ah, on est à 21 minutes. De toute façon, je vais être clair, je vais pas vous faire de gameplay sur. Ah, je peux me créer une classe. Alors. On va prendre la type 25. Hein? Quoi? Où est-ce qu'on voit qu'on a des jetons? Accessoires. Je pense que je dois tuer des ennemis. Ouais, c'est le niveau d'armes, ok, c'est bon, ça j'ai compris. En secondaire, on peut faire spend autre chose? 5-7. Bon, on va se mettre le 5-7. Ouais. Là, on met quoi? Détermination. Vous gagnez les bonus de série de points plus rapidement. Poids léger, vous déplacez plus rapidement. Ouais, ça on va mettre ça. Parce que le bonus de robustesse, c'est très facile. Ouais. Par contre, excusez-moi, parce que si la partie commence alors que j'ai même pas envie, rare pas le faire. À tous deux. Sang-froid, résistance au système de visée, lunettes. Ok, aux aéronefs contrôlés par les joueurs, pas de nom ni de réticule rouge quand vous êtes visé. Je vais prendre ça. Ah, ok. On va garder la grenade, j'ai envie de la tester avant. Ah ouais, ok, je comprends ce principe d'arme. Et si je fais ça, j'enlève, ça me reste, ok. Ça, on va laisser. Et ça, c'est conditions extrêmes. On va débloquer, équiper. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc, ma petite arme. Donc là, on a une MP7 et une peau truc. Bouclier d'assaut, sniper, qu'on pourra retirer les lunettes et des grosses mitraillettes, hein, des fusils à pompe et ma petite 25, je la garde. Voilà, je l'aime bien ma petite 25. Par contre, après, moi je retirerai le 5-7 parce que je joue jamais avec ça. Prenez un deuxième atout. Ah, ok. Bon, bah, par contre, est-ce qu'on peut renommer où est-ce que c'est déjà? Ouais. On peut pas renommer nos classes. Il doit y avoir un moyen. Ah voilà, renommer. On va la clé. Bah. Non. Non. Classe. Comme ça, je saurais que c'est celle-là. Hein? Ah bah non, ça doit être un contenu au faux sang. Ok. Ma classe. C'est totalement what the fuck. Et on va mettre un petit smiley parce que j'aime bien les smileys. Alors c'est vous déjà, c'est ça. Et un grand D. Mais c'est quoi ça? Un smiley, c'est offensant? Ça. C'est choquant, un smiley? Ok, c'est bon. Et on va faire une dernière. Alors, créer une classe. Alors, qu'est-ce qui me dit que. On va se mettre dans celle-là et qu'est-ce qui. Ah, les jokers! Et ça, ouais. Ok, c'est bon. Normalement. Voilà, donc créer une classe, ils me disent qu'il n'y a plus rien. Par contre, je vais faire un peu le con, mais voilà. Et c'était quoi, Joker? Hop, débloquer et équiper. Et normalement, j'ai un jeton, un truc de plus. Ouais, ok. Je mettrai quand j'aurai débloqué un autre atout. Et puis, on va refaire encore une petite partie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
Ah, Nuketown 2025, je vais vous la montrer. En simple. Ok, voilà. Parce que c'est la map que j'ai débloquée, que j'ai mis donc en DLC, donc peut-être que ça peut vous intéresser. Recherche et destruction. Ouais, j'ai pas envie de faire de la recherche, hein. Parce que la recherche est. Ah ouais, non, ils votent tous pour rechercher destruction. Moi, j'ai pas envie de faire de la recherche. Parce que je sais très bien que je peux mourir très facilement en recherche et destruction. Et qu'une recherche et destruction, bah voilà, c'est fatal. Non, mais. J'ai pas envie de faire de la recherche et destruction. Ouais, on va attendre que c'est qu'ils lancent leur partie. Ah non, si. Ah voilà. On va mettre quoi? Quartier général? Ou on va se mettre un quartier général, comme ça tout le monde est content. Et puis c'est cool quoi. J'espère de toute façon que cette vidéo spéciale Black Ops 2 va vous plaire, parce que c'est quand même mon but, c'est quand même de vous faire plaisir avec mes vidéos. Quand je vois que j'ai presque dépassé les 5000 vues, je suis vraiment très heureux et très 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 heureux. C'est un truc de malade quoi, 5000 vues, mais sur toutes mes vidéos en un mois et demi quoi, waouh! Enfin, je sais pas si c'est bien, mais je suis content de toute façon. Moi, je m'occupe pas des vues, mais je m'occupe de faire plaisir aux gens, et quand je vois que je fais plaisir aux gens, je suis content. Nuketown 2025. Ah, après, on ira sur Nuketown 2025 zombie. Et on va prendre ma classe. Ah oui, c'est vraiment dans 2025 ça. Oh, ouais, très beau. Ok. Tout le temps la même technique de viser par rapport au. J'essaye un peu de faire du kill. Hein? Oh. On a fait ça. Attaquant tué. On va essayer de défendre un peu pendant que mes collègues y... Oh non! What the... Tiens, est-ce que toi c'est tout ton pareil que dans Black Ops 1? Et on peut leur faire tomber la tête. Donc le double XP, vous inquiétez pas, je veux sûrement. Oh, allez. Oh, j'ai débloqué un viseur. Je suis très content. Oh yeah. Yeah, on va faire gaffe. Ok. Est-ce que l'arme de poing est fatale? Ouais, sûrement quelque chose de mal, mais MP7 silencieux. Alors on va tester la MP7. Est-ce qu'elle est cheatée? Est-ce qu'elle est pas cheatée? Bah de toute façon, j'ai pas pu la tester longtemps. Hop, toi, bouffe tes balles. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, après, je vais me faire des. Comment des emblèmes personnalisés, parce que là, je pense que j'ai même pas l'emblème. J'ai mon petit emblème de Black Ops que je vais reprendre, mon petit Android que j'aime bien. C'est mon petit chouchou, cet Android. Il était vraiment très bien fait. Et je remercie la personne que j'ai même pu. Je pense que c'est dommage parce que j'ai même pas noté le nom du pseudo de la personne qui l'avait fait sur YouTube, qui mettait un tuto comment faire le logo Android sur Black Ops, et je le remercie. Il est vraiment très beau, franchement je l'ai aimé. Sinon qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, franchement, les gens ne faisaient pas des croix gammées sur Black Ops, hein, parce que sa preuve, vous pouvez plus mettre d'emblème si vous êtes signalé, donc ça vous risque des périls. Ok, c'est des grenades alliées. Enfin, je crois. Hop, toi, bouffe tes balles. Oh là là, je ne savais pas quoi faire.
Donc mon but sur Black Ops, je vous le dis, c'est de m'amuser, c'est pas de faire des scores de malade. Je suis pas Gotaga, hein, Gotaga. Justement, voilà, un youtubeur sur qui, si vous êtes fan de code et que vous voulez voir des bons gameplays, c'est Gotaga, c'est pas moi. Parce que Gotaga est très 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 bon au niveau... Franchement, je le fais ici parce que je sais même pas comment il fait. Ah, attaque, ok, je l'ai tué, mais je me suis fait tuer. On est à 18. Bon, allez. C'est bien, mais on peut faire mieux, quoi. Hop, vengeur. Donc apparemment il a tué vengeur je crois. Oui vengeance c'est que je tue le tueur, mon précédent tueur. Et vengeur c'est que j'ai sauvé, enfin que j'ai vengé un allié, voilà. Je me rappelle. Alors voyons les tâches comment c'est fait. Ah dommage. Ah je l'ai eu. Bon. Hop toi, bouffe tes balles. Rescapé. Voilà, j'ai pu aider un allié. Ah dommage. Ils doivent. Oh assistance quand même. Très content. Si je fais des assistances au moins. J'aide mon équipe à gagner et je suis très content. Parce que quand même Call of Duty, c'est quand même. C'est un jeu d'équipe. Enfin, ça dépend des modes, mais si on a mêlée générale, c'est pas un jeu d'équipe, mais là, c'est un mode. Deux jeux en équipe. Alors déjà si ça commence à camper là-haut, ça va pas me plaire qu'il y ait des gens qui campent dans les maisons. Question, est-ce que le double XP sera que sur la map Newton 2025? Je pense que je sais pas, je... Parce qu'en fait il disait j'ai entendu dire si vous voulez avoir le double XP, activez votre code Newton 2025. Ou j'ai fait une double kill je crois. Ah dommage. En tout cas j'ai été promu. Ah. Merde. Ouais, faut quand même que je reprenne l'habitude de Call of. Ça c'est clair, net et précis. Hop, voilà. On va se reposer, on va reprendre du soin, voilà. Allez, bah, tu joues bien, tu promets à tes abonnés que tu leur promettrais des bons gameplays. Et je tiens ma promesse, voilà. Je tiens tout le temps mes promesses à mes abonnés. C'est les personnes les plus importantes dans ma vie de youtubeur. Ah, putain, j'aurais dû savoir qu'ils étaient là. Oh. Ah, dommage. Drone ennemi, ok, donc ils savent où on est. Donc tiens, quitte à aller faire chier, autant passer par là. Hop, toi, tu prends ça, et puis une petite vengeance, ça fait tout le temps plaisir. On va prendre la MP7 en arme secondaire. Ok, donc ils vont spawn là-haut. Ok, j'aurais dû faire plus attention. C'est vrai, on va essayer les grenades. Hop. Oh, j'ai fait un hit marker. On va se la jouer. Voilà. Je lance une grenade. J'ai envie de me la jouer pas perso mais objectif. Donc si je joue avec capture de QG, je le fais. Oh putain, ils sont trois. Je crois que j'étais derrière le mur là au moment où ils ont essayé de m'avoir. Mais je crois que c'était un peu trop tard. Ah dommage. Ils jouent quand même vraiment pas mal les adversaires. C'est que c'est moi qui suis une grosse brêle mais... Ils jouent vraiment pas mal. Ok merde. Ok what the f... Où est-ce qu'ils sont? Petits ennemis, où êtes-vous? Ah. Ah
Combien? 23-18, c'est bien. C'est bien, Malène. C'est bien, tu joues bien. Tu fais un ratio supérieur à 1. Je suis très content. Moi, pour moi, oh, mais putain! J'avais sauté. Voilà, depuis tout le temps que j'attendais ce Black Ops. Ce Black Ops 2. Hop. Assistance? On va prendre ça. Que j'ai détruit plus 25. Ok. Allez, de toute façon, go les tuer au spawn. Oh merde, il l'a tué avant moi. Hop, tu prends ça. Hop, on va faire du spawn kill, quitte à faire. Hop. Drone, j'ai un drone. On va l'utiliser juste après avoir tué quelques petits bonhommes. Hop. Il m'a pas vu. Double meurtre. Ah. On va mettre ça. Ah, je l'ai pas vu, dommage. Attaquant tué, yes. J'étais promu, je suis niveau combien? 7, pas mal, pas mal, en quelques minutes. Je regarde combien de minutes je suis. Oh! Je regarde combien de minutes, je suis à 30, environ, allez, 37 minutes. Ouais, surtout qu'il y a eu les cinématiques. Enfin, 37 minutes sans la vidéo unboxing, je rappelle bien sûr. Voilà. Sinon, ça doit faire un peu plus. Oh putain! Où est-ce qu'il était? Oh merde. Dommage. Ils vont arriver par là, j'en suis sûr. Assistance, dommage. Pas grave, ça fait plus 50, je suis content. C'est mieux que ça. Que... Ah ouais, de toute façon, j'étais mort, il m'avait lancé quelques balles. Assistance, mais c'est tout le temps des assistances. Et le mec, s'il voit que je suis en train de lui tirer dessus. Oh, toi, tu t'es pris cher. Donc oui, bien sûr, avec Monsieur Zasnotch... Ah, j'arrive même à retenir son pseudo. Monsieur Zasnotch. Un youtubeur que je connais bien et qui est sympa. Qui habite au Canada. Mais c'est quoi? Ils ont quoi avec leur lance-patate? C'est quoi? C'est des obus? C'est des mortiers? C'est quoi? Ah, dommage. Combien? 33-28. Essayer de... On y va. J'ai essayé de faire un truc. Hop. Ah, dommage. En tout cas, j'en ai tué un. Ah, ok, maintenant... On... Ah oui, on doit attendre. On doit attendre la destruction du QG. De toute façon, ils vont le détruire d'ici quelques secondes, je pense. Voilà, oui. Parce que de toute façon, ils avaient tué tous les ennemis. Par contre, maintenant, c'est un peu du spawn kill, je trouve. Voilà, c'est ce que je retentais. Parce que je me doutais. Oh putain. Ah, dommage. Oh, toi tu prends tes balles. Hein? Il a dû mettre un coup de couteau. Mais je suis content pour lui, il m'a tué. Où tu vas prendre toi? Artilleur d'Adam en attendant. Ok, alors attends. Il n'est pas ici. Je sens qu'ils vont spawn pas loin.
Ah, dommage. Triple meurtre? Oh, très content. Je l'ai pas tué, là. Dommage. J'ai fait des assists. C'était bien parce que maintenant, dès que quelqu'un tue avec un... Dès qu'un de mes collègues tue avec un drone, ça fait plus 10 au niveau score. Enfin, niveau... Score pour moi, mais pas le score de l'équipe. Par contre, je crois qu'ils vont nous mettre une petite branlée, c'est dommage. Bien sûr, je répète que tout ça est fait en live. Ah, mais à 39, 35, ah, oh. Bah oui, tu fais mieux que ça. Mais il faisait quoi, ça? Ah, ouais. Si en plus, ils mettent des atouts bien forts, là, je vais pas m'en sortir, moi. Ouh. Allez. Ah non, prédateur, prédateur, prédateur. Non, c'est pas des prédateurs, mais ça faisait aussi mal, je pense. Non! D'où il spawn derrière moi? C'était quoi ça? J'ai spawn juste à côté d'eux, mais après, c'est une petite mame, donc. Ah, les mecs, ils l'ont pas vu là. Ils sont forts quand même. Ouh, j'ai eu la chance là quand même que j'avais bien quand même mis un moché, mais là. Vous voyez là, directement les campeurs ils campent là-haut dans les maisons, c'est pathétique et j'aime pas ça quoi. Black Ops, voilà, au bout de quelques minutes il y a déjà des campeurs. Bah ça aussi il fallait s'y attendre. Il n'y a pas que des campeurs donc c'est ça qui est bien aussi. Ouf, j'aurais eu quelques secondes de plus, je pense que j'aurais pu le tuer. Je fais du combien? Du 40. Ah mais merde, dommage, 41-40 c'est un. Ouais, allez, on va. Allez, passer sur le zombie déjà, ça c'est sûr. Ouais, ouais, le mec là, regardez le nombre de balles fermées qu'il a dû mettre pour tuer un ennemi. C'est incroyable même. On va aller un peu sur le zombie. Je pense que ça peut vous plaire. Oh là là. Ah, Kit. C'est Kit et c'est le groupe. J'ai des nouveaux atouts. Colis stratégique. Ok. Ok, bah moi je vous propose qu'on quitte le salon. Et qu'on aille dans zombie. Ah, on peut carrément. Oh, ok, là, un bon point. La campagne, je ne testerai pas parce que si je compte la faire en let's play, je n'ai pas envie de commencer maintenant. C'est que j'ai envie de faire du multi et du zombie. Et puis c'est tout, quoi. J'ai pas envie d'aller très loin. Bien sûr, vous inquiétez pas, il y aura sûrement des lives zombies. Parce que là, je commence vraiment à bugger chez moi. Je sais pas, faut que j'attende que j'ai la fibre. Ça arrive bientôt chez moi, mais voilà. Ah, la musique du zombie est revenue. On va faire jouer en ligne. Connexion au serveur en ligne. Oui, je joue en ligne. Alors. On va éviter zone 51, lawyer. On va éviter à jouer. Non, puis non. On va faire. Ah oui, c'est vrai que maintenant il a. Il était. Il y a du zombie, c'est vrai, maintenant en équipe, tout ça. Donc. Ça, je pourrais pas le vous montrer maintenant et je vous montrerai plus tard, vous inquiétez pas. Partie personnalisée. Ouais, mais moi je veux. Ce qu'on passe, ce principe de zombie. Oui. Jeu en solo. C'est quoi ça? Je comprends pas ce principe de zombie. Ouais. En local, je sais pas comment c'est. Ça c'est Nuketown 2025. Oui, c'est bien Nuketown de... Bah on va. Vous vous sentez un peu dépassé. Difficulté. Ouais. Bah,
Oui, voilà, Nuketown, c'est Nuketown Zombie, ok. Carte. Ouais, on n'a pas le choix. C'est mal fait, moi je préfère magie avec. Tire-tête, non. Ah ça, on peut faire vraiment des petits des trucs vraiment pas mal. On va commencer parti. Puis je vais en faire un peu en solo. Vu que j'ai pas d'amis, vous inquiétez pas. Des équipes de 4 joueurs, on va en faire et on va bien s'éclater. Donc la map qui était exclusivement réservée aux personnes qui avaient comment? Le... Ok. Ouh, très bien fait. On peut ouvrir la porte. Ok, donc déjà je suis là. Le bus, il paraît que c'est un truc à ouvrir. Oui, voilà. 3... Quoi? 3000 pour ouvrir le bus. Il y a quoi? Il y a dedans, il y a la boîte. Les zombies, où êtes-vous? Ah, c'est quoi? C'est vrai qu'il doit y avoir un truc pour activer une musique ou un truc comme ça, c'est obligé. Maintenant, on peut ramper. Là, on peut ramper. Ouais. Ok, voilà. Oh, les zombies. Wow. Alors, il y a mon téléphone qui sonne. Par contre, je reviens. Mais ouais, après. Je suis en pleine partie de zombies, donc. Je suis désolé, mais je peux pas répondre, quoi. Allez, hop, toi. Donc, c'est une spéciale Nuketown, quoi, parce que j'ai envie de faire un peu de zombies, donc je vous fais un peu découvrir les zombies de Black Ops 2. Hop. Manche 1 terminée. Je suis à 1440. Je peux ouvrir, mais j'ai pas envie. Les armes, où est-ce qu'on peut les acheter dans ce Black Ops? Parce que j'aime bien, mais peut-être qu'il faut ouvrir une porte. Hé, je crois que c'est ça. On va essayer d'ouvrir. Wow, très accueillant. Ok. Là, c'est un truc pour la boîte. Oula, ok, ça commence à monter. Oh. Par contre, j'ai plus de munitions. Ah, mort instantanée, ok. Ça, j'aime ça. J'aime les morts instantanées. Voilà. Déjà, c'est un peu plus dur aux zombies parce que les premières manches, les coups de couteau, bah, ça suffit pas quoi. Faut donner un peu plus. Il n'y a pas d'armes par contre. Il y a vraiment pas d'armes d'armes au mur comme sur les anciens modes zombies. Là. Mais qu'est-ce que c'est? J'active un secret, on dirait. Wow. Sans le savoir, je crois que j'active un secret. Enfin, une partie du secret, quoi. Du secret. Ah, munition max, yes. Voilà, on va pouvoir un peu tirer. Donc vraiment, il y a vraiment pas mal d'éléments de personnalisation dans nos zombies. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve. Ah, voilà. J'ai pas vu le salut, mais apparemment c'est venir derrière moi et vu que j'étais pris en piège, je ne pouvais pas faire grand chose. Quitter le salon, oui. Jouer en ligne. Ah oui, voilà. Faut que j'essaie d'inviter mon pote Marmotto. Inviter à jouer. Voilà.
Merde. Je veux rejoindre, mais. Voilà, rejoindre. Tu sens pas qu'il est dans le multijoueur? Ah, ok, on peut pas rejoindre. Ah. Attends. Partie publique. Mets ton micro, Maxon. Ah ouais, mais je peux pas. Lutte, survie, combattez les morts vivants avec ou contre l'autre équipe. À la fin, il ne restera qu'une survie. Merci Avast qui me sonne dans les oreilles. Deux joueurs supplémentaires sont nécessaires, sérieux? On va mettre déjà en muet. Ouais, alors toi, muet. Et Marmotto, muet. Parce que c'est bien, mais tu me parles, mais. Comme ça, vous voyez mon commandement. Créer message. Je peux. Pas. Ouais, donc vous voyez le mode zombie, hein, voilà. En plus, vous voyez mon PSN pour ceux qui veulent m'ajouter. En attente des textures. On est sur Green Run, Marmotto 45 est connecté. Donc normalement, il me rejoint bien. Voilà. Ok, alors what the fuck, what is it? Marmotto 45, on est que deux, ok. Je pense qu'il me comprend. Ah oui, vraiment pas mal ces zombies. Hop, à mon avis, on va pas marcher sur les trucs en feu. Voilà, hop, un coup de couteau. Mais hé hey, Marmotto, il est là. Je l'ai mis au mieux parce que sinon ça s'entend sur le jeu et puis je peux pas lui répondre. C'est complètement con. Ah là il y a une arme. On va prendre un peu, on va essayer de l'Olympia. Ah il y a une boîte ici, merde. Oh le piton il y a eu. Quelle chance. On va se prendre un peu de sous et après on va se faire une boîte. C'était vraiment très mou les débuts de manche. Hop. Là où il y a quelque chose. Mais c'est quoi ces trucs de feu? C'est. Je ne comprends pas. Là il y a quoi? Il y a rien du tout. Là il y a la boîte. Ah, ça y est. Là, il restait un zombie. Axel l'avait pas tué. Marmotto pas bien, Marmotto pas bien. Oh, je vous dis pas le nombre d'heures de montage qui va devoir y avoir. J'ai hâte. De toute façon, je pense pas qu'il y ait énormément de montage non plus. Il y a une petite musique bien sympa. Il y a des zombies là ou quoi? J'entends je vois personne. Je ne vois personne. Ah bah ouais, mais si en route ils me volent tous mes kills. Alors si vraiment. Et où me volent pas tous les kills, Marmotto. Ah maintenant je crois qu'il y a retour des zombies en feu. Où est-ce qu'ils sont?
Donc les zombies, ouais, je pense que si c'est nécessaire, je ferai une coupure. Par, juste par. Pour. Parce que je peux pas me permettre de faire ça. Ou alors si. Non, ouais. Ah, la ville en zombie est vraiment moins bonne que les autres zombies, que les autres Call of. Oh, toi, sale meuf zombie, tu vas crever. Par précaution. Oh là là, c'est vraiment dur ce zombie. C'est bien. Ah. Voilà. 630. Ah, mon retour l'a eu, dommage. On va refaire l'obstacle. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ah, ok. Ça veut dire qu'il m'ouvre une porte. Là, il y a... Ok, je sais pas. Là-haut, il y a quoi? Il y a d'autres zombies ou quoi là? Y a... J'entends aucun zombie. Voilà. Marmotto, tu fais quoi? Ah, c'est mon dieu là. Parce que c'est ça. J'ai hâte de voir les zombies à 4. Enfin 4 vs 4, ça peut être sympa. Enfin 4 vs 4 vs 4 vs zombies. Ça peut être sympa, je pense que j'en ferai avec mes abonnés. S'ils veulent. Hop, de toute façon ce sera ça. De toute façon, si ils veulent. Si mes abonnés veulent faire du zombie avec moi, vous avez mon PSN, Banano45, mon YouTube en message en MP. Ça marche aussi. Mon Skype, je le donne pas aux inconnus parce que j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie que je se retrouve sur internet et que je me fasse envahir de messages. Enfin là pour l'instant je risque rien, je crains rien, mais j'imagine comme 55 personnes, 55 demandes de contact, c'est rien. Mais bon, voilà. Vous avez raison, peut-être que je serai. Ah non, je pense que je vais faire un Skype abonné. Mais c'est quoi ça? Je suis une brêle aux zombies. Oh, on est loin de mon record de 40 manches sur Kino. Me dis pas qu'il va mourir. Munitions max. Ah, les bruitages de munitions max sont bien faits. Désolé, Marmotto. Merci. Hop. Oh, un sniper. On peut peut-être essayer. On va voir ce que ça donne. Okay. Donc ça, par contre, c'est la map en feu. Mais... Je déteste le sniper. Pourquoi j'ai des armes de merde? Je suis un nul. Ouais, mais en auto je suis en rouge là, si tu me sauves pas c'est mort. Putain, merde, allez. Non, c'est mort, c'est foutu. Dommage, dommage. C'est quoi ça? En tout cas il a un python, c'est ça tue, ça one shot pour les premières manches, donc il a de la chance.
Ouais, ça fait des doubles kills avec une balle. Mais il faut qu'il court, hein, parce que sinon ça va le tuer. Et qu'il saute. Oh, on a un fine folle et... Non, sérieusement, dépêche-toi de là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas crever. Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu l'as, tu... Ok. Non, t'aurais mieux fait de l'attendre un peu, Naruto, pour l'utiliser. Pas grave. Donc ouais, faut grand que je me retourne parce que pareil, Black Ops Zombie, ça fait oh là, un bon... Allez, un bon 10 mois que j'ai pas mis le pied sur le zombie Black Ops. Donc ouais. Ouais, dommage. Saute, saute et saute. Mais non! Mais c'est... J'aime pas cette map. Avec les trucs en feu, ça nous tue et j'aime pas ça. Je suis nul. Ah, ok. On a survécu 6 manches. On a plus d'une heure de vidéo quand même. Donc moi je pense qu'on va s'arrêter là. Et voilà. Blessure 4. Je suis nul. Je suis très nul. Ouais. Moi je propose qu'on se laisse là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, franchement, j'ai pris vraiment un énorme plaisir. Enfin, moi sur le zombie, mais je pense que le zombie, bah, il est vraiment pas mal et ça, j'aime ça. Donc, moi, je propose qu'on se laisse là et qu'on se retrouve bah, pour une prochaine vidéo pour la suite du Let's Play d'Assassin's Creed 3. Moi, je vous laisse et on se retrouve à la prochaine. Ciao à tout le monde.